Présentation de la recette du biryani, et pas n'importe lequel. Aujourd'hui, je vous présente particulièrement le biryani du sud de l'Inde, donc ce qu'on appelle le muslim biryani. Donc évidemment, je vais vous proposer une grosse quantité. Je vous adapterai sous la vidéo une recette pour moins de personnes. Là, on va avoir une recette par rapport à 2 kg de riz, ce qui équivaut environ à 12-15 personnes. Je vais vous donner la liste des ingrédients. Donc, pour 2 kg, on aura besoin de 3 kg d'épaules d'agneau. Donc, c'est important d'utiliser cette viande-là qu'il faudra dégraisser. Donc, sur les 3,4 kg, j'ai perdu à peu près 500 g de gras. Puisque vraiment, on a coupé avec attention les morceaux, hein, comme vous pouvez le constater. On aura besoin d'oignons aussi qu'il faudra trancher en lamelles. Donc là, on a 1,3 kg d'oignons. Donc à favoriser les oignons qui sont légèrement rosés, pas tellement les rouges puisque ils ont tendance à être un petit peu forts. Voilà, on aura besoin également de tomates. Donc ici, on a des tomates qu'on aura coupées en 8. Donc il faut compter à peu près 1,2 kg de tomates. Donc ensuite, on va avoir besoin de piments. Donc ça, c'est au goût. Moi j'estime à peu près à 12 piments verts. Idéalement vous achetez aussi les plus petits, mais en termes de poids ça correspond à 300 grammes. Ensuite on a de la coriandre. Pour la coriandre il faudra compter 2 bottes à peu près. Ouais, 2 bottes moyennes. Ensuite on a un mélange. Bon, celui-ci est fait maison mais vous pouvez également l'acheter. C'est ginger and garlic paste. Donc c'est un mélange de d'ail et de gingembre à hauteur de 460 g. Voilà, on aura également du yaourt nature, l'équivalent de 4 yaourts. Prenez le bien nature, c'est le plus simple que vous trouviez au magasin, pas de brassé ni quoi que ce soit. Donc ça équivaut donc à 500 g. On a également du beurre clarifié. Ici nous avons 2 fois 250 g fondu à la casserole. Il nous faudra également 1 demi-litre d'huile. Oui, ça peut paraître énorme, mais il faut considérer que là c'est pour 2 kg de riz, hein, donc vous adapterez ou bien vous lirez en bas de ma vidéo l'équivalent. On va passer aux épices. Ça, c'est vraiment ce qu'on a de plus important. Ce qu'on a de plus important, c'est ce mélange d'épices. Donc, il faudra 6 g de cardamome, 4 g de clou de girofle, 12 g de cannelle, 6 feuilles de laurier indien, bay leaf. Si vous n'avez pas de ce laurier, vous pouvez mettre le laurier classique. Je vais utiliser normalement 1 à 2 citrons, uniquement le jus, mais ça je vous le dirai au fur et à mesure de la recette. Et le plus important, vous prenez 2 bottes de menthe, vous détachez les feuilles et vous pesez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut à peu près la même quantité de feuilles de menthe que de coriandre. Donc là, j'ai compté, ça correspond à peu près à 100 g de feuilles de menthe. Et ici, on a l'équivalent en coriandre, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça vous fait à peu près 100 g et 100 g. Donc au niveau des épices, on a du garam masala. Il faudra 2 grosses cuillères à soupe. De la coriandre. Donc 2 grosses cuillères à soupe également. Du curcuma, 1 cuillère à café. Du chili powder. Il faudra 3 cuillères à soupe également. Voilà pour les ingrédients. Je vous ai donné exactement tous les ingrédients.
Passons à l'étape numéro 1, il s'agit de la cuisson de la viande. Donc on va commencer par une demi-cuillère à café de curcuma, 2 cuillères à soupe de pâte de gingembre et d'ail, ginger and garlic paste. On va mettre également une cuillère à café de sel. Et on va recouvrir d'un demi-litre d'eau. Étape 2. Donc on va mettre l'huile sur feu doux, le beurre clarifié, étape 2, donc sur feu doux on va mettre l'huile et le beurre, et une fois que l'huile et le beurre sont très chauds, on va ajouter les épices. Donc on commence par la cannelle, suivi de la cardamome, les clous de girofle, et du fameux laurier indien. Là, il y a une odeur d'épices qui se dégage. On sent tous les arômes, vraiment. Une fois que vous sentez les épices se dégager de la casserole, on va ajouter les oignons qu'on aura coupés en lamelles, bien sûr. Les faire brûler dans la casserole. C'est dommage que vous ne soyez pas là. Hein. Vous aurez senti cette merveilleuse odeur, ce mélange d'épices, des oignons. C'est magnifique. Après une vingtaine de minutes, je vais rajouter un demi-litre d'eau. Après 15 minutes de cuisson, on va ajouter à l'oignon qui aura légèrement brûlé, la menthe, également la coriandre et le piment. Puis on mélange. Réservez un peu de menthe et de coriandre pour la décoration. On laisse mijoter et on ajoute ginger and garlic paste. Après 35 minutes de cuisson, on extrait la viande de son jus et on réserve. Étape 3, on va ajouter la viande. On va mélanger les oignons. Vous mélangez toutes vos épices et vous ajoutez à la viande. Et on ajoute nos tomates. On va remettre le couvercle et laisser la tomate fondre légèrement et l'huile remonter. Là, comme vous pouvez le constater, l'huile est bien remontée et la tomate est bien fondante. Elle est bien cuite. On va pouvoir ajouter le yaourt. Le jus du citron, pour l'instant, j'ai préféré en mettre qu'un seul. On ajustera si nécessaire. Là, je ne vous dis pas les odeurs. Hein. Magnifique. On va couvrir et laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que la viande soit bien tendre. Une mixture avec du safran, de l'eau de rose, mewort, et un tout petit peu de colorant sur la pointe d'un couteau. Voilà, il faut arriver à peu près à cette couleur-là. Donc là, j'ai compté le riz et je me suis aperçue que 2 kg, ça correspond à 14 verres de riz. Pour un verre de riz, il faut 1,5 litre d'eau pour le rice cooker. Vous vous rappelez de l'eau qui a permis de cuire la viande, on l'a mis de côté, on l'a réservée. Sachant que j'ai 14 verres de riz, on va multiplier par 1,5, ce qui correspond à 21 verres d'eau. Donc on va extraire 21 verres de ce bouillon
Si jamais vous n'en avez pas assez, vous pouvez compléter avec un petit peu d'eau. Donc vous mettez la quantité relative à votre quantité de riz. Il faut bien nettoyer le riz. Dans votre rice cooker, vous mettez la viande avec la sauce, sans trop d'huile. Ajoutez le bouillon restant. Et on ajoute le riz, préalablement lavé bien sûr. Là, le riz est cuit. Donc, il faut décoller le riz. Le mélange qui a été fait avec le colorant et l'eau de rose, ainsi que le safran bien sûr. On met du beurre clarifié. On ajoute le restant de menthe et de coriandre que je vous ai demandé de réserver tout à l'heure. Et on vous souhaite un bon appétit !